Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medien TV pour l'entretien de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Sobel Aziz Ngom, jeune entrepreneur social sénégalais. Il est à la tête du centre de leadership citoyen Social Change Factory, organisateur du concours télévisé Voix des jeunes au Sénégal, en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Un jeune entrepreneur dont le parcours est déjà salué par d'imminentes personnalités et dirigeants de ce monde, parmi lesquels l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama. Avec lui, nous nous intéresserons à la jeunesse africaine en général et à ses perspectives d'avenir, à l'entrepreneuriat et au concours Voix des jeunes. Sobel Aziz Ngom, merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction de Medien TV Dakar. Bonjour Alexis, merci, je suis très heureux d'être sur le plateau de Medien TV Dakar. Vous avez lancé à travers votre centre de leadership citoyen Social Change Factory le concours télévisé Voix des jeunes qui débute sa troisième édition au Sénégal et sa deuxième très prochainement en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir créé ce concours et quels sont ses principaux objectifs ? Alors, on a créé ce concours d'abord parce que l'on considérait que l'enseignement classique que l'on transmet à travers l'école et l'université ne priorisait pas certains éléments qui pour nous sont fondamentaux dans la construction d'un individu. La première chose, c'est la notion de... On traite, si on veut, comme grand point la notion d'entrepreneuriat et d'employabilité, dans laquelle on transmet des soft skills qui permettent aux jeunes, même sans avoir un gros background éducatif ou académique, de pouvoir avoir des outils de base qui leur permettent de savoir faire un budget, savoir épargner, savoir écrire une idée, pouvoir la présenter, etc. Le deuxième axe sur lequel on travaille et qui est notre priorité en tant que centre de leadership citoyen à travers ce concours est la question de la citoyenneté et de l'engagement sur lesquels on traite des notions telles que la politique, la compréhension de l'environnement politique, macroéconomique, les difficultés qu'il y a, etc. Et le troisième axe, c'est l'attitude et l'éthique, en gros. Comment on transmet un certain nombre de valeurs et de conventions autour de la diversité, de l'empathie, de l'honnêteté et des valeurs morales, d'ici, d'ailleurs, universelles à transmettre. Et tout ça s'articule autour d'un programme, d'un concours de solutions. L'idée était de ne pas lancer un concours d'éloquence uniquement. C'est vrai que c'est bien de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, mais c'est tout aussi bien de pouvoir les amener à s'exprimer sur des choses particulièrement utiles et sur lesquelles ils peuvent avoir un réel impact. Donc on a orienté ce concours sur les solutions. Quel est le mécanisme ? On shortliste on sélectionne des étudiants dans les différentes universités et écoles supérieures du pays. Ils participent au programme, donc bénéficient de tout l'apport lié au programme, des thèmes dont je vous ai cité. Et tout particulièrement, ils sont sensibilisés et formés sur des problématiques de développement. Et leur mission dans le concours est d'y apporter des solutions. Des solutions qui, idéalement, existent déjà, quelque part, ont déjà montré qu'elles ont un impact positif et qui ont le potentiel d'être dupliquées ou répliquées dans d'autres environnements d'une façon assez simple. On est dans des solutions de petite échelle. On n'essaye pas de créer une solution qui serait de bâtir un pont entre deux pays. C'est vraiment comment régler des problèmes à une échelle communautaire et comment les jeunes qui apprennent, qui vont à l'université, qui vont à l'école, peuvent comprendre déjà ces problèmes, pourquoi ils existent, comment ils existent, pour mieux savoir comment ils peuvent y apporter des solutions. Donc on est dans un concours de solutions qui est porté par cet état d'esprit « Soyons solutions ». Implanté déjà au Sénégal, sa troisième édition débute, la deuxième très prochainement en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Avez-vous en ligne de mire d'autres pays où implanter Voix des jeunes ? Absolument, absolument. Et la saison 3 de Voix des jeunes comptera au moins 5 pays et au mieux 6 pays que sont donc en plus du Sénégal, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire qui ont eu chacun une à deux éditions. Cette année, la première édition du Tchad et du Burkina Faso auront lieu très bientôt, dans quelques mois. Nous visons également la Gambie et la Mauritanie dans un avenir très proche et bien entendu toute l'Afrique. Avez-vous déjà pensé au Maroc ?
Absolument, on a pensé au Maroc. Déjà, les pays francophones sont un peu des pays qui sont pour nous prioritaires parce que ça simplifie quelque part les échanges. Et je pense qu'à un niveau stratégique, il est très très important de rebâtir en tout cas des ponts forts entre les pays d'Afrique subsaharienne et les pays du Maghreb. Et je crois que ça se fera par la jeunesse de ces deux pays qui sont de plus en plus décomplexés sur des questions historiques ou de race ou de choses comme ça, et qui partagent beaucoup de choses en commun. Sobel Aziz Ngom, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'implication de la jeunesse dans l'entrepreneuriat africain ? La question de l'entrepreneuriat aujourd'hui est sur la table, particulièrement pour les jeunes. Donc leur implication est à tous les niveaux. L'agenda international ou africain voudrait que les jeunes, afin de pouvoir sauver le continent et à cause du dividende démographique qui existe, qui fait que voilà, plus de la moitié du continent a moins de 22 ans aujourd'hui et qu'un tiers du continent a entre 10 et 25 ans, finalement, nos États ne sont pas en mesure de pouvoir donner de l'emploi à tout le monde. Donc il faut bien que les gens puissent subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins. C'est une déresponsabilisation de l'État dans un sens et c'est une promotion à l'autonomisation de la jeunesse dans un autre sens. Donc aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus intéressés par les questions d'entrepreneuriat, ce qui est une très 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 bonne chose. On a beaucoup de success stories en Afrique qui aujourd'hui ont montré que c'était une voie qui pouvait apporter des solutions intéressantes dans plusieurs domaines. Pour moi, elle n'est pas la voie qui va changer complètement le mode de vie et puis la réalité de vie du continent. Non, mais elle en fait partie. Pour moi, on a besoin de jeunes entrepreneurs, autant qu'on a besoin de bons jeunes médecins, autant qu'on a besoin de bons jeunes cadres d'organisations et de multinationales qui, à l'intérieur de ces mastodontes existants, vont apporter des changements qui impacteront sur tout le reste aussi. Les jeunes ne manquent pas d'idées, certes, mais ils sont souvent confrontés à des problèmes de financement. Quelles solutions pouvez-vous leur proposer ? La réalité est la suivante. On fait toute une promotion de l'entrepreneuriat, mais on n'a pas créé l'écosystème qui permet aux jeunes de réussir leur entreprise. Ce que je pitch à mes jeunes déjà, c'est que quand ils ont une bonne idée, qu'ils n'attendent pas de financement tout de suite, qu'ils essayent de la mettre en œuvre, même à une toute petite échelle, qu'ils essayent de démontrer que leur idée est pertinente, qu'elle a un potentiel de marché et qu'ils puissent le prouver en prototype. Toutes les idées ne peuvent pas être prototypées sans argent, mais beaucoup le peuvent. Derrière ça, pour moi, cette question, elle relève du secteur privé et de l'État, qui peut jouer un grand rôle dedans. Et la première recommandation que j'aurais dans ce sens, serait l'exonération pour les PME. Il y a au Sénégal, donc selon l'APIX, il y a 17 000 startups qui ont été créées en 2016 au Sénégal. Et selon les données et analyses d'évolution des startups, on dit que 60% meurent dans la première année. Comment on fait pour que ce ne soit pas le cas? Il faut un accès au financement, il faut un accès à l'accompagnement. Mais moi, je suis de ceux qui disent qu'on ne doit pas l'attendre en permanence. Il faut qu'on le cherche ailleurs et il faut qu'on essaye de le faire marcher. Alors, quel doit être le rôle des gouvernements africains pour booster l'entrepreneuriat jeune? Est-ce qu'ils pourraient mieux faire les choses? Vous avez évoqué à l'instant plusieurs structures qui accompagnent ces jeunes entrepreneurs, mais y aurait-il d'autres solutions pour les aider à mieux se développer, à s'insérer dans le milieu de l'entrepreneuriat? Oui, après ça, c'est toute une vision du monde que j'ai ou qu'on a, qui commence vraiment par l'éducation que l'on donne à notre jeunesse. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste le fait de dire je vais vendre du poisson, de faire en sorte que je puisse vendre du poisson et de faire en sorte de gagner de l'argent. Moi, c'est un mode de vie, c'est tout un état d'esprit. On entreprend aussi parce que l'on croit en quelque chose. On parle beaucoup d'entrepreneuriat social qui, pour moi, va de plus en plus ou devrait être un standard. Donc vraiment, pour moi, le processus d'éducation et de formation de nos jeunes est extrêmement important. Les curricula que l'on doit réviser de façon permanente, sortir de la grande théorie et du besoin universitaire énorme qu'on en a besoin. On a évidemment besoin d'universitaires, ça c'est une certitude. Le problème c'est que avec les résultats qu'on a, et en Afrique francophone en général, les résultats que l'on a à partir du premier examen universitaire qui est le baccalauréat sont si catastrophiques qu'il est important de se reposer la question de l'enseignement et de la formation. À côté de ça, des entrepreneurs arrivent à faire des choses intéressantes. Le problème, c'est que dans leur environnement, ils n'ont pas accès au financement. Et en plus de ça,
S'ils bénéficient d'une exonération fiscale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on leur demande de la rembourser au bout de 2 ou de 3 ans. Moi, ce que je propose, c'est une exonération fiscale totale qui permet à des structures qui, à cause des réalités du marché, ne peuvent pas accéder au financement pour pouvoir développer, pouvoir recruter, pouvoir gagner du marché, etc., ne tout simplement pas avoir à payer d'impôts ni de taxes pendant 3 ans. Et après ces 3 ans-là, oui, on considère que si elles y sont arrivées, c'est que ça a commencé à marcher. Sinon, l'alternative, c'est de mettre en place un dispositif qui permet un minimum de financement pour les startups si on veut les imposer. Mais pour moi, une startup ne doit rien à l'État si l'État n'a pas pu lui faciliter l'existence. Et il faut qu'on se projette vers l'avenir. Si on a 17 000 startups qui sont créées, comment on fait pour ne pas perdre 60%? Est-ce que le fait de leur demander de ne pas payer d'impôts peut y contribuer? Je pense que oui. Donc laissons-les se développer. Et si on a un taux de réussite de 80%, ben finalement on aura 80% de sociétés que l'on pourra imposer. Sobel Assinsgwa, merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction de Medien TV Dakar. C'est un plaisir pour moi, Alexis. C'est tout pour cet entretien. Bonne suite des programmes sur Medien TV.